De passage à Hobart, le président chinois Xi Jinping a visité le vaisseau amiral de la mission chinoise en Antarctique, le brise-glace Xuelong, avec le premier ministre australien Tony Abbott au quai de Macquarie. Les officiers, les membres d'équipage et les explorateurs se sont présentés en uniforme pour accueillir les visiteurs. Le renforcement des liens entre la Chine et l'Australie dans leur programme sur l'Antarctique est l'un des buts de la visite du président chinois. Le brise-glace est amarré à Hobart pour effectuer son réapprovisionnement et doit partir pour le continent le plus au sud de la planète vendredi. Plus tôt, le président Xi et le premier ministre Abbott ont parlé via vidéoconférence aux scientifiques en Antarctique de la station australienne Davis et de la station chinoise Zhongshan. Les deux dirigeants ont aussi assisté à la signature d'un mémorandum d'entente pour une plus grande coopération dans la région antarctique.